papy, il a un beau jardin. Bon, c'est peut-être ce papy, hein. Le papy, il a un beau jardin. Dans son jardin, alors, il a planté quoi déjà? Des salades, des radis, des carottes, des choux, des pommes de terre. Des choux, c'est bon les choux. Il est content le papy avec son jardin. C'est le plus joli jardin du quartier. C'est le plus joli jardin du quartier. Un jour, le vent arrive, il souffle. Et le vent, il transporte une petite graine, pas plus grosse que l'ongle de mon petit doigt. Et la petite graine, quand il voit le beau jardin du papy, il dit au vent, « Laisse-moi là! Oh, j'ai envie de me planter ici !» Il se plante dans le jardin du papy. Et là, la terre, elle est chaude, elle est douce. Alors, la graine, elle grandit. Et elle devient un énorme rutabaga. Le papy, quand il arrive dans son jardin, il n'était pas là ce jour-là. Il voit, mais qu'est-ce que c'est que ça au milieu de mes radis? Mais ça va pas du tout, mais je vais arracher ça. Alors il prend les feuilles du rutabaga et tire que je te tire. Oh, yes. Oh, lisse. Mais le gros, l'énorme rutabaga ne bouge pas. Alors papy, il appelle mamie. Mamie, viens m'aider. Allez, viens, s'il te plaît. Mamie, elle est en train de donner à manger aux poules. Elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Regarde le rutabaga. J'arrive pas à l'arracher, aide-moi. Alors mamie attrape papy. Papy attrape les feuilles du rutabaga. Et on y va. Oh, lisse. Mais le gros, l'énorme rutabaga ne bouge pas. Alors ils appellent leur petite fille, la petite Lily. Lily, viens, arrête de jouer avec tes poupées Barbie. Allez, viens m'aider. Et la petite Lily, elle arrive. Elle attrape mamie. Mamie attrape papy. Et papy attrape les feuilles du rutabaga. Et oh, lisse. Mais le gros, l'énorme rutabaga ne bouge pas. Alors, ils appellent Snoopy. Snoopy, le chien. Snoopy, allez, arrête de faire semblant de dormir. Viens nous aider. Snoopy vient. Il attrape la petite Lily. Lily attrape mamie. Mamie attrape papy. Et papy attrape les feuilles du rutabaga et il tire que je tire. Oh, lisse. Mais le gros, l'énorme rutabaga ne bouge pas. Alors, ils appellent le chat. Le chat Kitty. Kitty, allez, viens. Kitty, ça lui dit bien d'attraper la queue du chien. Alors elle vient, elle attrape la queue du chien. Oh, c'est bien. Le chien Snoopy, il attrape la petite Lily. Lily attrape mamie. Mamie attrape papy. Papy attrape les feuilles du rutabaga. Et oh, lisse. Mais le gros, l'énorme rutabaga ne bouge pas. Et dans le jardin,
il y avait un pommier. Et dans le pommier habitait la petite souris tout à l'heure. Elle s'est dit, oh bah, je vais aller les aider. Puis elle aussi, ça lui plaisait d'attraper la queue du chat. Alors la petite souris, elle est venue. Elle a attrapé le chat Kitty. Kitty a attrapé le chien Snoopy. Le chien a attrapé la petite Lily. La petite Lily a attrapé Mamie. Mamie a attrapé Papy. Et Papy, il a attrapé les feuilles du rutabaga. Oh, Riz. Et d'un seul coup, le rutabaga, hop, il s'est arraché. Alors Papy, il est tombé sur Mamie. Mamie, elle est tombée sur Lily. Lily, elle est tombée sur le chien Snoopy. Et le chien Snoopy, il est tombé sur le chat Kitty. Et le chat Kitty, il est tombé sur son derrière. Parce que la petite souris, vite, elle est partie. Elle est retournée dans son petit trou de petite souris. Elle s'est dit, quand même, je suis costaud, hein. Parce que grâce à moi, ils sont arrivés à enlever le rutabaga. Et voilà, et à pas de petite souris, mon histoire, elle est finie. Oh.